Bonjour mes amis, comment vous allez? Vous allez bien? Moi, ça va mieux. Allez mes amis, je vais préparer cette petite course de la D2, non, la course pronostic de Quinti de PME de 15 août 2022. Alors mes amis, réunion in course 3, départ de course 15h15. Sur Equidia en direct, handicap en épreuve, les chevaux de 3 zones et plus, il y a 70 000 euros à gagner, il y a 1200 mètres à courir de terrain. Il n'y a pas beaucoup de terrain, ça veut dire que la course va payer, mes amis. Alors, ligne droite, terrain, bonne souple. On commence, mes amis, avec mes pronostics déjà, pour voir qu'est-ce que j'ai préparé là. Pour moi, le premier, je veux choisir numéro 3. Numéro 3 avec Botan. C'est lui le driver, c'est lui l'entraîneur, c'est lui le propriétaire. Vraiment, il peut gagner ce cheval, numéro 3. Alors, numéro 3, il a fait 8 courses cette année, 3, 11e, 3e, première, 11e, 3e, 3e, 3e et 2e. Ces 4 dernières courses, 3 fois 3e, une fois 2e. Il manque de gagner ce cheval. En plus, c'est Drevor entraîneur et jockey, il a tout. Mon deuxième, mes amis, je vais choisir numéro 5. Numéro 5 avec Mademoiselle Paco. Elle avait deux courses cette année, première et deuxième. Voilà mes amis. Mon quatrième, c'est numéro. Mon troisième, numéro 11. Je veux choisir numéro 11 avec le maître. Et pour rentrer dans cette quinte. D'ailleurs, on avait donné aujourd'hui, c'était la course aussi à Deauville, elle est rentrée sixième. Elle était une très 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 grande cote. Et il y avait numéro 11 aussi. C'est un signe. Demain, elle peut être dans les trois premiers. Avec le maître, en plus, c'est le maître qui l'a monté. Le cheval d'aujourd'hui. C'est pas le même cheval, mais le maître, c'est son tour de rentrée. Elle avait trois courses cheval cette année. Elle a fait deuxième, sixième, cinquième. L'année dernière, elle avait cinq courses. Elle a tout fait des courses. Elle a fait première, cinquième, première, troisième, première. Elle a gagné trois fois sur cinq. Elle a placé deux fois le cinquième et le troisième. C'est numéro 11. Mon quatrième préféré, mes amis, c'est numéro 6. 6 avec Barcelona. Elle avait 6 courses cette année. 7e, 4e, 1er, 4e, 2e et 13e cette dernière course. C'est un cheval de Pantal. C'est vrai, les chevaux de Pantal, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rentrés. En plus, Pantal a des bonnes chevaux. Numéro 6. Mon cinquième préféré, mes amis, c'est numéro 1 avec Guillaume. Elle avait 8 courses cette année, 14e, 4e, 3e, encore 3e, 4e, 7e et 3 fois défilé gagnant. Première, première, première. C'est un champion. Numéro 1. Mon sixième numéro, mes amis, c'est numéro 4. Numéro 4, mon sixième, avec Picon. Ce cheval, il avait 6 courses cette année, 2e, 8e, 3e, 8e, 5e et 3e. Mon septième numéro, mes amis, c'est numéro 2. Numéro 2 avec Benoît, Grégory Benoît. Benoît, elle avait 3 courses cette année, 6e, 4e, 1er. L'année dernière, elle avait 5 courses. Elle a fait 4 fois sur 4, 4 fois placée sur 5. Quatrième, première, deuxième, troisième et onzième, sa dernière course de l'année dernière. Il est pas mal ce cheval aussi, numéro 2. Il a un outsider de 10 contre 1. C'est mon septième. Alors, mon huitième cheval, mes amis, c'est numéro 15. Mon huitième cheval, numéro 15, avec Ronan Thomas. C'est un très 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 bon cheval. C'est dommage, je l'ai amené loin celui-là. Ronan Thomas, il avait 5 courses cette année, il a tout fait ses 5 courses. Elle a fait quatrième, cinquième, deuxième, première et première. Deux dernières courses gagnantes. Peut-être pas être même d'aller trois sous la numéro 15 demain. Voilà, mes amis. Dommage, je l'ai amené très loin. Et mon cheval en cas de non-partant, c'est numéro 16. C'est mon regret. Numéro 16 avec Pichon. Pichon.
Ce cheval, il avait 2 courses cette année. Il a fait cinquième, cinquième. L'année dernière, il avait 6 courses. Troisième, première, quatrième, neuvième, première. Il est très bon aussi, le numéro 16. Voilà, mes amis, je vais vous montrer mon ticket. Alors, allez. Le 3, le 5, le 11, le 6, le 2, le 4, non, le 6, le 1, le 4, le 2 et le 15. Le cheval en cas non partant, c'est numéro 16. Le 3, le 5, le 11, le 6, le 1, le 4, le 2 et le 15. Le cheval en cas non partant, je l'ai marqué mal, je le remarque en grand. Parce que ce ne soit pas dans la caméra qui est vraiment écrit mal. Alors je les marque là en gros pour les jeunes, ils les voient bien. Alors, voilà, mes amis, le cheval en canon partant, c'est le 16. Le cheval en canon partant. Sinon, le 3, le 2, le 1, le 6, le 3, le 5, le 11. Le 1, le 11, le 6, le 1, le 4, le 2 et le 15. Voilà, mes amis, pour ça, cette course de quinté d'aujourd'hui. À tout à l'heure, je vais prendre mes 5 meilleurs avec mes 2 pépites de genre. Je vous fais le vidéo de la dernière minute. Et on va faire d'abord la course d'aujourd'hui de dimanche 14 août. En fait, dans mes pronostics de quinte, dans les 4 premières, on avait le couple les gagnants placés. On avait 2 sur 4. Celui-là qui jouait mes 4 premières, il y en a beaucoup qui les jouaient en couple les gagnants placés ou 2 sur 4. Il y avait le couple les gagnants placés, il y avait 2 sur 4. Et dans mon vidéo de la dernière minute aussi, mes 2 pépites du jour, c'était le 2 et le 15. On avait le 16 et le 4. On avait le couple les gagnants placés, le 16 et le 4 dans la vidéo de la dernière minute. Et celui-là qui a jeté mes pépites du jour, il aura 3 fois aussi 2 sur 4 qu'il a fait 26 euros, 25 euros. Celui-là qui a joué mes 4 premières, le 16 et le 4, il aura le couplet gagnant placé. Ma pépite du jour, c'était le 2 et il a rentré 4e. Et le 15, il a rentré 5e. Et mon cheval en cas de non partant, c'était le 11 et il a rentré 16e. C'est dommage, je n'avais pas le 5. Vraiment, j'étais un peu aveugle sur le 5. Je ne l'ai pas mis dans le ticket. Je l'ai mis dans mon ticket après mon deuxième, quand j'ai étudié bien. Je l'ai amené dans mon ticket, mais dommage, j'ai joué qu'à 25%, qui était à 25%, je n'ai pas fait à plein de tarifs parce que je n'étais pas très sûr sur le 5. En plus, ça, le jockey Stéphanie, dommage, je ne l'ai pas mis. J'avais le doute. J'aime bien le jockey Stéphanie et je n'ai pas amené. J'ai quelque chose qui me bloque, je ne l'ai pas amené dans mes pronostics. Voilà mes amis, mais c'est pas grave, j'ai fait beaucoup de moyennes pour cette quinte d'aujourd'hui. On va les gagner. Le 3, le 5, le 11, le 6, le 1, le 4, le 2 et le 15. Le cheval en canon partant, le 16. Bonne chance mes amis. J'espère qu'on va gagner cette quinte du demain. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et à tout à l'heure pour la vidéo de la dernière minute. Vous n'oubliez pas mon like et abonnez si ce n'est pas déjà fait mes amis. Et un petit message aussi, ça fait toujours plaisir. Et une très bonne chance à tout le monde.